Je t'emmerde, Nel. Et bonsoir à toutes et à tous, ici Sparage sur Let's Play France pour la suite. Notre Let's Play Live sur Styx Master of Shadow. Donc bonjour le live, bonjour MTA et bonjour Nel. C'est un peu le son d'un dans mon casque. Alors, la dernière fois, on était en route vers la prison. Normal, on allait libérer le prisonnier qu'Oscan voulait qu'on libère. Sauf qu'en arrivant, on était accueilli par Styx. Je résume. En fait, depuis le début du jeu, nous contrôlons Rakash, qui est un clone que Styx a fait avant de se faire emprisonner. Qui fait que toutes les cinématiques depuis le début du jeu, où on voyait Styx se faire interroger, c'était des cinématiques qui se sont passées avant le début du jeu. Et en fait, on a du coup Styx a créé ce clone pour qu'on le libère et il essaie de nous tuer. Donc on a survécu, on est sorti de la prison où on nous avait foutu. Et maintenant le but en fait c'est empêcher qu'il fasse ses conneries. Ok, ça roule Nel. Du coup. Donc ouais, on va empêcher Styx de faire ses conneries. Donc du coup. Styx se déplace vers les geôles. C'est ça. En fait, nous, on est un clone super sophistiqué. Et nous, en fait, on fait des petits clones de merde. Parce que nous, on est de base un clone. Ouais, mais non, ce jeu m'a retourné le cerveau la dernière fois. C'était quel de dire. Du coup, Styx, en fait, se dirige vers les geôles où est enfermé l'architecte. Qui pourra lui indiquer où se trouve... comment accéder à son objectif. Du coup, le but, c'est de l'arriver avant lui. Sauf qu'avant ça, il faut qu'on aille choper, donc logique secondaire, un clone, qui a des informations pour nous. Du coup, la petite sauvegarde de début de stream. C'est parti. Le problème, c'est qu'il y a des gardes. Alors, j'ai deux couteaux de lancer, 5 boules de... Ah ouais, ok, d'accord, oui. Ouais. Il y a un garde là qui dort. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs intéressants sur la table là-bas. J'aimerais essayer d'accéder. Ok. Je pensais pas qu'il y avait des gardes qui étaient là aussi. Je pensais que c'était un chemin safe, moi. Et j'ai pas de prise sur les murs. Ah ! D'où il passe là, lui ? À quel moment ? Ok. Donc mon plan tombe à l'eau. Ça commence bien. Non. Si je peux passer par là, je passe où? Ok. Ah, Windows, lave ta bouche. Je sais que tu veux faire une mise à jour, mais je te dis non. J'essaie de guetter le bon moment. Bon, là, le garde il remonte. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de rusher une fois qu'il descend, en fait. Ok, donc en fait, il passe. Ouais, c'est ça, ça ronde normal, d'accord. La technique, de toute façon, il me verra pas. On doute, tu as reculé. C'est ça. Ok, il se barre.
L'herbe est triste, tu pouvais te retourner. Merci. Bouh, j'en avais. J'ai atterri au pied du garde, littéralement. Ok. Non, l'autre côté. Pourquoi faut-il toujours que je fasse des débuts de stream compliqués? Ah. J'ai pas assez d'armes pour être invisible, c'est pas glop. Oh putain, il m'y remonte déjà. Ah non, il remonte pas. Ah si, bon. J'ai l'impression qu'à part y aller YOLO, y a pas trop de choix. Non mais ça va pas toi. 200 c'est quand je suis à la moitié du stream. Y a pas de prix sur les murs, y a rien, y a rien. Y a rien à loot. Y a que dalle. J'hésite à me débarrasser de lui avec un couteau, mais le problème c'est qu'il y a un gars qui dort là qui pourrait être réveillé. Le laborantin qui devrait. Qui va juste crier un monstre à monstre. Il y a lui là-bas qui fait sa ronde. Et il y a un balétrier. Je pourrais, mais. Je pourrais. Enfin, c'est quand même utiliser un clone, c'est pour être pratique pour lui. C'est que lui, il va le shooter la balle et il va le shooter à distance. En plus, il a un couteau de lancer à sa poche, mais bon, pour le choper. Bonjour, bonsoir. Voilà. Dangereux ce que je fais. Voilà, retourne par là, c'est parfait là-bas. What? Ah merde, y'a un garde! Comment il m'a. Bon. Ah, ce passage est plus compliqué que j'avais prévu. Raison, ça c'est typique de ce jeu. Un objectif en apparence si près, sauf que quand l'objectif est prêt, c'est que c'est pas easy d'y aller. De toute façon, faut que je fasse forcément que je fasse diversion. Faut forcément que je fasse diversion. Mais le tout, c'est comment je la fais. Monte. Non, tu m'as pas vu. Ça
C'est bon de trouver là sous la porte. Bah oui, sous la table. Oh, comment je me sors de ce merdier? C'est même pas une table en fait, je peux même pas me cacher en dessous. Enfin, c'est une table, mais il n'y a pas de. Comme les tables normales en fait. C'est bien compliqué ce merdier là. De monde qui peut me voir en fonction de ce que je veux faire. Il y a lui qui est là-bas, le pointin qui se balade, il y a lui qui dort mais qui va se réveiller au moment où je vais voir le tuer, et il y a lui. Il m'emmerde prodigieusement. Comme c'est que là, vu ma si je fais une chute, ils vont m'entendre. Ouais, puis merde. Ah non. Soldier, when will we be able to return to some serious work? Won't get done on their own. When we have found the prisoner. Pourquoi mettre un paladin, un inquisiteur ici? Je peux pas les tuer. J'ai pas de lustre à la faire tomber sur la gueule. Est-ce que je peux profiter? Je vais faire un truc. Celle-là, c'est celle où j'ai commencé. Bon. Ici. Sans lui, il va forcément voir le gars qui est mort. Genre, tu le vois pas, en fait. Genre, t'es con. Mais je l'ai pas caché, pourtant. Évidemment. Et il ne voit pas le gars que j'ai tué, que j'ai laissé a priori en évidence. Étrange. Je vis qu'il y a de la bouche pour l'empoisonner. Quoique l'inquisiteur là, il est parti bouffer justement. Là-bas, mais il y a l'inquisiteur qui va me voir dès que je m'approchais de la bouffe. Que quand il y a, parce qu'il y a ceux de ce moyen de les tuer par accident, entre guillemets, donc faire tomber un lustre ou quelque chose, ou les empoisonner. Mais le problème, c'est que pour empoisonner la bouffe, il faut pas qu'il me voit. Il dort ou. Ou il m'emmerde. Ah, qui revient. Qui attendait que son pote revienne. T'as bugué ou... Ah. Il y a une petite pause en fait. D'accord. Ok. Le timing il est chaud. J'ai une fiole de ville, j'ai rien lui pour lui choper, lui churer. Hop là! Ça c'est fait. Bon, il va faire sa petite pause.
Là, faut attendre. J'ai pas le choix que d'attendre. Parce que là, j'attends ce qui bouge. Ça, dans les 5-10 secondes qui vont suivre, il va s'effondrer et mourir. Ça va attirer les autres gardes. Et attendre qu'il se calme. Et passer. Et ils sont synchronisés dans leur ronde. Si je pouvais essayer d'en pickpocketer un au passage, parce que c'est la fiole, elle m'intéresse. Bon là, il a bouffé. Il va s'effondrer. Bon, les autres gardes, c'est ceux à côté. J'ai une meilleure vue ici. Là, normalement, lui, il me verra pas. Tant que je suis sous la table, il ne voit pas. Il n'est pas en alerte, il ne verra pas. Bon, t'as bouffé, t'es censé crever maintenant. T'es censé crever. T'es censé clapser. Pourquoi tu meurs pas? Tu m'expliques le délire. Il veut pas. Il veut pas. Je recule pour éviter que ses jambes me tapent. Et du coup, ça l'attire. Ok, il passe par là. When's the change of guard? I hate being on duty here. Sorry, but it's not gonna happen anytime soon, son. You've got to wait until this extraction is over. The elves are far from finished. Couldn't I be a servant of the distillery? That's civilized at least. Du coup, là, ce qu'on va faire, à défaut que l'inquisiteur meure, je vais passer quand même. On va pas se garder. Là, ça doit être bon. Nickel. Mais d'où tu sors? Oui, mais c'est compliqué de pas de y aller sans tuer quelqu'un. Ah bah du coup ils l'ont vu. J'adore, les gardes de ce jeu, c'est n'importe quoi. La save précédente, ils ont rien vu, puis là, ils l'ont vu. Est-ce que du coup... Mais non, mais c'est pas possible! Cette save est foutue. Non, elle est foutue cette save. On en prend une autre. Oh, puis j'ai mal sauvegardé. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que ce jeu... En fait... Quand on lance le jeu, quand on lance une sauvegarde, le jeu définit un chemin pour les gardes et une façon de faire. C'est-à-dire que pendant une save,
il pourrait ne pas voir un garde crevé comme ça a fait tout à l'heure. Sauf que quand on lance une save, les paramètres des gardes vont avoir changé et du coup ils vont voir le gars qu'ils avaient pas vu tout à l'heure, qu'ils ont pas vu la dernière fois. Du coup, c'est foutu. Faut que je recommence. Ah bah évidemment, il était là. Il semblait avoir bien sauvegardé tout à l'heure, mais bon. Donc, du coup, il faudrait que j'arrive à passer sans le tuer, du coup, le laborantin. Ah, ça fait 20 minutes que j'ai commencé, j'ai toujours pas avancé d'un pouce. J'en ai qui se cassent tout en haut des escaliers. J'aime bien le pouvoir d'invisibilité, mais je peux pas, j'ai pas assez d'ambre. Bon, là je le vois. Il faut juste qu'il se casse. Ok, il est parti. Mais je ne peux pas y aller. Alors non. Parce qu'en fait, tant qu'ils... S'ils m'ont vu, s'ils ont sonné l'alerte, tous les gardes vont essayer de... Putain, il y a autre qui est revenu. Un garde qui sait que t'es là ne te lâchera pas tant qu'il t'aura pas tué. Tant que tu ne changes pas de zone... Ils continueront à t'avoir et je peux te garantir que leur portée, elle est... Disons que les arbalétriers dans ce jeu, c'est godlike. C'est, ils tirent un carreau, ils sont sûrs de te toucher. Et comme cette one-shot, voilà. C'est ça qu'il faut vraiment pas se faire repérer. Tant que le voyeur n'est pas rouge, ça peut être bon. On peut se faire oublier. Ils vont dire, bon ça va, j'ai rien vu, c'est, ça va passer. Si c'est rouge, c'est qu'ils t'ont vu, c'est mort. En fait, il faut attendre que l'autre garde arrive. Voilà, ce qui le remplace aussitôt. Là, je le vois. Il va se casser. Vite, ce serait possible. Par toi. C'est bon. Lâche. Ça passe. C'est passé. Ouh. Du coup, sur cette cellule-là, vu que celle-là, elle est morte. Mais donc là, il cherche Styx. Et le problème, c'est que Styx a tellement foutu le bordel. Parce qu'en fait, il s'est pas posé. Pour ceux qui n'étaient pas à la fois précédente, quand il s'est libéré, il s'est pas posé de questions, il a tué tout le monde sur son passage. Ce qui fait que les autres gardes savent qu'il est là. Et comme moi, je suis son clone, s'ils me voient, ils vont me prendre pour Styx, et ils vont tout de suite tous venir me choper. Donc là, Styx m'a foutu dans la merde. Très clairement, ils savent qu'il y a quelqu'un, et comme je lui ressemble, vu qu'en théorie c'est moi sans être moi, je suis dans la merde. Voilà le deuxième garde. On va attendre qui se barre avec son copain. Casse-toi.
Merci. Sauf qu'évidemment, Monsieur Palouf est revenu. Donc je ne peux plus passer. Ah, bordel. Je voulais tester s'il somnolait ou si... Voilà, mais bon. Puis peut-être qu'en rechargeant une partie, ça va mieux se passer. Regarde qui arrive là-bas. De toute façon, ce jeu, ça a beau être un jeu d'infiltration, c'est du Dive and Retry, très clairement. C'est... Sauf si on connaît vraiment le jeu par cœur, qu'on connaît vraiment tous les chemins par cœur. Je parle des chemins à prendre, parce que les chemins des cartes, c'est pas qu'ils sont aléatoires, mais leurs réactions, elles le sont un peu. C'est très difficile d'y aller sans se faire prendre. Son copain là-bas, ouais, je l'aperçois. Je suis posé, je peux pas mettre de clones, parce que si je tue un clone, ils vont chercher, ils vont me trouver, donc est-ce que je peux y aller pendant là? Mais oui, je peux. Attends, je peux. Voilà. En fait, ce que j'ai empoisonné, c'était pas la bouffe, c'est que j'ai empoisonné l'eau. Et les gardes, ils boivent pas. Enfin, de l'eau. Je sais pas si c'est de l'eau, mais bon. Peut-être du vin, ou que sais-je. Oui. Je sais pas si tu fais une vanne ou si on m'entend plus, en fait. Ah, d'accord, ok. Je viens de comprendre la référence. Mais ta gueule, solide. Déjà qu'ils se sniffent à l'ambre, ça m'étonnerait pas qu'ils boivent de la vodka. Hein. Très clairement. Donc là, le palouf devrait clapser. J'ai normalement empoisonné de la bouffe. Cette fois, c'est sûr, c'est de la bouffe. Ça me permettra peut-être d'avoir un moment où je pourrais y aller sans que personne me voie. Hein, passer cette zone aujourd'hui, pas passer tout le stream là-dessus. En même temps, on a dépassé la moitié du jeu, donc c'est normal que ça devienne plus compliqué. Il me semble que la bouffe empoisonnée, c'est très rapide. Il me semble que l'empoisonnement, il est rapide. Ouais, on l'entend là. Ok, lui il a rien vu. Ce patrouilleur n'a rien vu. Hop là. J'ai réussi à faire ce que je voulais, choper la fiole de vie. Ça me sera utile. Et le palouf est mort, mais ils ont rien vu. Ils ont rien vu. Là, je suis sûr que si je sauvegarde dès que je relance, ils vont tous le voir. Assuré. Ah, ils sont synchro. Les deux gardes sont devenus synchro. Ah, si, ils l'ont vu. Hein, l'a vu. Il en a rien à foutre. J'aurais peut-être, je sais pas si je pouvais y aller ou pas.
Ah, pour me cacher dans l'armoire, ça aurait été. Ah ouais, ça aurait devenu synchro, ok. Est-ce que du coup ils vont le revoir? Ok, l'inquisiteur est mort, mais ils en ont rien, ils sont car l'oignon. D'accord. Where is the change of guard? I hate being on duty here. Sorry, but it's not gonna happen anytime soon, son. You've got to wait until this extraction is over. The elves are far from finished. Couldn't I be assigned to the distillery? That's civilized. Il y a déjà des gardes qui râlaient, qui voulaient être affectés à la distillerie. Oh, j'ai dit que c'est tous des drogués et des alcoolos. Enfin. Bon. C'est là que je me suis fait rire tout à l'heure. Voilà, cette fois j'ai bien fait ma bonne sauvegarde. Tu m'as vu tout à l'heure, tu croyais quand même pas que j'allais te laisser en vie. Oh, pas la tête. Pour éviter que les deux autres couillons ils te voient. Tu viens avec moi. Ok. Bon, ça c'est une porte que je peux pas traverser. Du coup, ici, a priori, c'est un endroit safe. Ça, c'est une porte que le clone peut traverser. Le clone est là, les geôles sont là-bas. D'accord. Je vérifie vite fait, mais non, il n'y a pas de sortie. Du coup, je suis obligé de passer par là. Alors. Toc. Il y a personne. Ah ok. Ah oui, je sais où je suis. oui, ça drouille de garde là. Non, je peux pas les choper. Ah par contre, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ouais, mais elles sont pas chopables. C'est du décor. C'est juste du putain de décor. Je peux même pas y accrocher en plus, c'est vraiment. Ah oui, je me souviens de ce passage. Oh. Alors. Ça. Normalement. Ouvrir une porte n'affecte rien. Le problème, c'est que comme ils ont vu mon clone, est-ce que j'avais complètement oublié la zone dans laquelle j'allais arriver. Ou est-ce qu'en fait, je fais le chemin inverse de la mission précédente. Bon, il y a lui qui tourne. Et j'ai lui... Il est de face ou il est de dos, là? Va être de face. Salut. Ça n'a servi à rien. Bon, moi j'ai pu voir qu'ils étaient un peu trop nombreux. Ça va être très compliqué de passer ici. Comme si c'était pas déjà assez compliqué avant. Y'a vraiment pas moyen de passer ailleurs. Non, y'a vraiment pas moyen.
me cacher là-dedans, mais ça n'a aucune utilité. Si je pouvais passer ici, le jeu me le dirait. Ça, c'est le cadavre. Non, faut vraiment que je passe ici. Le problème, c'est qu'il y a l'autre pecno qui est devant la porte. Tant qu'il sera devant, je pourrais rien faire. Quoique. Pourquoi le couteau il l'a pas tué? Ah mais il a un casque, je suis con. Ah oui, il a un casque. Ceux qui ont un casque, ils peuvent pas se faire backstab. Enfin, oui. Seulement je pouvais mettre invisible. Ouais, y a beaucoup trop de monde. Parce que j'ai une toile de vie, 5 boules de sable et un couteau. Je vais pas aller loin avec ça. Mais vraiment pas. Réfléchis à comment je vais faire. Je pourrais YOLO, mais revenir à mon créateur en appuyant sur A. Ok. Non. J'ai vu des flèches voler, il y a minimum deux arbalétriers qui traînent. Tant que lui garde la porte, je peux rien faire. Et il la garde. Mais vraiment chasse gardée, quoi. Bah ouais, c'est ça le truc. Je vais faire un truc. Je vais charger celle-là. Je sais plus où est-ce que... Eh. Ok. Toc. Je vais la refaire sans me faire prendre en fait. Parce que tout à l'heure j'y suis allé YOLO en oubliant qu'il y avait des gardes. Et du coup ils m'ont vu. Non, prends la pièce. Ah oui! Là, il n'y a personne. C'était la 43. Salut Gonzo! Bon! Où vous êtes? Ah, mais il y a un... Non, sérieusement, vous êtes où? Non, sérieusement! J'ai pas compris comment ils ont pu me voir alors qu'ils étaient tous dans l'autre pièce. Non mais comment ils m'ont vu de l'autre pièce?
C'est quoi la roulade déjà? Ok. Mais il est bien mon perso sur Saints Row. Parce qu'en y allant avec une roulade, je peux... Parce que là, on est d'accord qu'ils sont tous de l'autre côté, en fait. Ah non, il y en a un là! C'est lui qui m'a niqué! Tu es là! Tu n'es plus là! Voilà! Non, me dites pas que vous allez recommencer comme vous l'avez fait. Non, me dites pas que vous allez me choper encore une fois. Non, 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 non. Non, regarde pas dessous, regarde pas dessous. Donc en plus, faut que je sois à moyen de... Non, faut y aller YOLO. Parce que lui, à moins qu'il bouge de son spot, arrêtez de me critiquer. Bon. On va continuer, hein, à faire n'importe quoi. Genre ça passe. Genre ça fucking passe. D'accord. Non. Voilà. Ok. Ah, ça, c'est Styx. Ça, c'est l'œuvre de Styx. Oh oh. Et ça, c'est un clone. Pourquoi tu... Bon d'accord. J'ai oublié que ces clones étaient... relous. Bon. Vu qu'en YOLO Strat ça passe, on va recommencer la YOLO Strat, hein. Tac. Tac. Non. Ok. Alors tu dis quoi? Non, j'y vais vraiment à la découverte. Non mais, non mais... Descends de là. Oh, un couteau. Je suis obligé de cramer une fiole de vie parce que j'ai fait le con. Mais vous êtes méchant avec moi. Bon, alors, il y a... là-bas. Tac. Est-ce que si je mets bien dans le fond, il me voit pas? Rien à foutre, les clones ils sont chiants.
Des méchants réalistes alors. Alors. Ah si, il me disait qu'il n'y a pas de prise. Si, heureusement. Elle est juste là, ok. Ah. Mais... C'est bien d'arriver là, mais... Ça ne sert pas à grand chose au final. C'est beaucoup trop haut pour que je descende sans me faire mal. Et du coup, si je me fais mal, je fais du bruit. J'ai plus de couteau. J'ai plus de fiole. Juste moi, mon sable. Ça, c'est beaucoup trop lent pour que j'y aille sans encombre. Et j'ai pas de prise à part celle-ci. Ce que je piche pas trop l'utilité d'ailleurs, mais bon. Ce qu'on va, regarder, il y a un garde ici, qui a d'ailleurs une fiole d'ambre, je crois. Il y en a un qui regarde un corps brûlé. Il y a un arbalétrier là-bas. Et tout? Ah non, puis il y en a là-haut. C'était pas là que tu ailles. C'était, t'étais censé t'accrocher au vol en fait. C'était, t'étais pas. Enfin bon. Ce que j'en dis moi. Bon, du coup, est-ce qu'il me voit quand même si je suis planqué? Voir si je peux garder mon couteau. Voilà, je l'ai attiré, c'est bon. C'est ça, je suis un, je suis une statue. Ok. Bien, mon garçon, c'est bien. Au revoir. J'économise une fiole de vie. Et un couteau. Toujours ça de prix. Vous savez que tout ce que vous dites, c'est diffusé, hein. Ensuite. Ça passe. Ah, il y a un inquisiteur. On remonte. On remonte tout de suite. Waouh, il y en a que j'avais pas vu. Ça va être bien galère pour passer maintenant.
Je sais. Ou est-ce que je ferais pas un lancer de couteau pour les attirer ailleurs? Non, ils vont me spot. Bon, et puis merde. C'est pas du tout comment m'y prendre. Si seulement il y avait des prises sur l'autre mur, mais il n'y en a pas. Pas un chemin à faire ici, non? Bah non. Et passer par en bas ne m'amènerait pas à grand chose. Non mais Styx, arrête de t'accrocher aux flammes, t'es pénible au bout d'un moment. Je vais tenter un truc. C'est risqué, mais... Non, je voulais tenter de passer par en bas, mais en fait, c'est juste méga, 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 méga haut. Je vais me suicider. Je vais juste me suicider si je passe par en bas. C'est beaucoup trop haut pour moi. C'est beaucoup trop haut pour que je survive. Donc il faut que je passe par en haut. Y a pas un... Non. Décrocher le lustre à distance, mais non. Il n'y a pas moyen. Je sais pas si j'en tue un ou... Parce que là pour passer il faut que je fasse le ménage. Parce que ça là-bas c'est beaucoup trop loin pour moi. J'ai pas testé mais je pense que c'est beaucoup trop loin. Ouais, non, 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 non. Là je me suicide. Donc pas grand chose mais... Je veux bien faire un clone, mais... Je sais pas à quoi il me servirait. Je veux bien faire un clone, mais à quoi il pourrait me servir? Je t'écoute, même si venant de toi, les bonnes nouvelles, c'est voilà quoi. Youhou! Ça n'a servi à rien à part tous les alerter. Oui, je sais que j'ai fait la moitié du jeu. Mais il me reste une moitié encore à faire. Alors je vais essayer de passer. Mais
qui m'agace. Non, là il va. Voilà. Ok, donc en fait l'inquisiteur il arrive, il donne ses ordres puis il se casse. Ok, t'es pas du tout relou. Est-ce que je ferais pas mieux de l'assassiner pour le divertir pendant que je vais me cacher là-bas? Ça pourrait être une solution. Il parle de Styx de Enel. Car oui, je ne vous ferai pas ce plaisir de faire Shards of Darkness en live sur LPFR. C'est Gonzo qui le fera sur notre chaîne. Bon. Maintenant que je suis ici, on va faire un truc. Sauvegarder là-dessus. Ça reste quand même un défi bien compliqué ce que tu veux faire. Hein. L'initiale de vie, je vais essayer d'aller la prendre. Hop. Oh, il y a une porte là-bas. Il y a une porte. J'aimerais tellement te chourer ta fiole d'ambre, toi, mais je peux pas. Levier, il est là. Et j'ai fait demi-tour. Mais ce qui me semblait. Puis j'étais en train de faire demi-tour. Sa fiole d'ambre, lui, elle m'aiderait beaucoup, ce que me permettrait de me rendre invisible. Le problème, c'est que pour les voler sans me faire voir, coton. Il n'y a rien d'autre à voler par ici. Genre un deuxième couteau de lancer ou non, il y avait juste une fiole de vie, d'accord. Je vais me faire voir. Je vais tenter un truc. Je pense que vu que j'ai une vision comme ça, je suis considéré comme dissimulé sous une table. Donc, tant que je ne les alerte pas d'une manière ou d'une autre, ils ne me voient pas. Ok, c'est calme, c'est bon. Sauf que maintenant que je suis là, je ne passe pas tant que je me fais. Je ne peux pas passer. Parce que lui, il va forcément me voir. Donc c'est un plan voué à l'échec. Si j'avais de l'arme pour être invisible, je pourrais passer derrière lui, mais je peux pas.
Oh bon Dieu, c'est quoi cette zone? On va reprendre la seule de vie. Y a moyen de le chourer, mais faut être précis. Faut être super méga précis. Il y a moyen de le jouer quand il passe là. Sans me faire repérer, mais vraiment. Que je me dépêche. Yes! Ah. Je vais être beaucoup mieux comme ça. Ok. Maintenant. Toc. J'espère juste pouvoir passer derrière lui sans me faire repérer, derrière l'inquisiteur. Oui, oui, tu vois bien clair. T'es omnubilé par le cadavre qui flambe devant toi, tout va bien. Yes! Don't forget my reward for bringing it to you rather than the captain. You promised me double the reward. Yes, of course you'll be paid, you dimwit. You have no idea the value of such a discovery. Yeah, well, try not to make too much racket with your experiments. I won't be able to avoid inspections around your little hideout all the time. Bon, eux ils parlent du clone qu'ils ont chopé à tous les coups. Non. J'aime plus laquelle c'était. Celle-là, ou... Pourquoi j'en ai deux d'ailleurs de sauvegarde. À 20h12, 20h13, j'en ai fait qu'une. D'accord, c'était pas celle-là. Ok. Je veux pouvoir assassiner ce garde. Hop là! Je n'ai à nouveau plus d'ambre. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de planque. Bon, remarque, vu là où il est placé. Ok, donc maintenant, il faudrait que j'essaie de passer ici. Il y a un garde et un laboratoire, d'accord.
m'embêterait d'utiliser un couteau pour lui, mais bon. Pourquoi une chèvre? Alors, on voit comment le déplacement des gardes parfois il est aléatoire vu le comment il glisse. Arrête de marcher, t'es déjà contre le mur. Ah, c'est bon. Alors. J'adore le déplacement de ces gardes, c'est n'importe quoi. Oula, t'es bien près de moi, toi. Mais quel con, je suis sorti par là où je voulais aller. Enfin, par là où je suis allé, en fait. Oh, t'es horrible. Mais bon, ça, je le sais. De toute façon. Non. On a de la patience dans ce jeu, hein. Faut vraiment être patient. Toi, tu fais des trucs chelous, toi. Il faut que le laborantin, il aille là-bas. Waouh. Qu'est-ce qu'ils me font les deux, là? Bon, toi, c'est bien, sauf que le garde, t'es un peu trop près de moi. Ok. Là, je suis tranquille. Ça sert à quoi, ça? Ah, c'est le clown! C'est le clown. Salut, Shira! C'est la copie contre l'original. Sauf si j'ai fait une faute de frappe, mais voilà, cette année, j'aimerais bien, en fait. Ok, donc maintenant, il faut que je reparte d'où je suis venu. Rien à voler, ici? Non, c'était juste pour ouvrir le... D'accord. Attends, c'est quoi, ça? À quoi ça sert d'informer la biblie en fait? Ok, là, il y a un truc. Eh oui, je suis bête.
Je me mets là. Je prends le clone. Et j'actionne. Comme ça, la porte se referme, mais je suis dedans. Des 100 sticks par Akash. Shit. He's still alive. What happened? My head's empty. I remember nothing. Just a corridor and then I think I wanted to die. Damn. Sticks didn't even bother giving you more memories than that. Just the wish to die. Shit. I don't know why I wanted to die. I don't want to die. Yeah. 1 hour. Talk about life is short. Who are you? Why do you look like me? I don't look like you. I'm not you. I'm not like you. I will not be sacrificed like a fucking sheep. Die! Die, goddammit! D'accord. Ok. D'accord. Oui, bah, bien sûr. Salut, Gonzo. Oh, de l'ambre. Oh, de l'ambre. Bon. Maintenant que j'ai ça. Ah, le clone qui était encore en vie. Ok. Tout ça pour une mission secondaire qui n'apporte pas vraiment grand chose d'intéressant. Personne. Bon, j'ai évité de descendre avec le garde qui est dans mon champ de vision. J'ai 2 fioles d'ambre, ça c'est cool. Je vais en boire une tout de suite. Voilà. Je suis quasiment full en ambre, quasiment full en vie. J'ai un couteau, j'ai mes 5 boules de sable. Là, je suis bien. Je suis stuffé, je suis bien. Allez, barre-toi, s'il te plaît. Voilà, merci. Bon. C'est pas tout, mais maintenant... Maintenant, il faut que je trouve mon chemin vers les geôles. Attends un peu. Bah oui, c'est par là les geôles. C'est haut. Je me souviens de cette zone. C'est juste une zone de transition. Tac. Tac. Vision. I saw what he was thinking. Because Styx was so close, perhaps. Did he sense that I was there? Ah, it's driving me crazy not knowing. Ok, faut juste bien faire gaffe de rester sur les branches. non. Il a son gorille à l'entrée, quoi. La musique du jeu est discrète, mais elle est cool quand même, quand on l'entend.
Non mais j'ai appuyé sur la touche. Oh, oh, il faut que je reprenne tout. J'aurais dû sauvegarder. Ah bordel. J'aurais dû sauvegarder une fois que j'étais arrivé. On va être plus dans l'ombre. Je me suis dit ça va, les jauges sont devant, mais je pensais pas qu'il y aurait un clone. Je suis fait avoir en beauté. Remarque, je sais comment accéder à la suite, c'est pas un souci. Non, tu mets pas là le. Regarde, il est bien placé, faut juste que toi tu te retournes. Et il revient. Vous me saoulez tous les deux. Où tu vas toi? Non, c'est bon. Non, mauvais timing. Alors faut qu'ils synchro les deux là, parce que ça va pas le faire. Ok, c'est bon. Du coup, moi je me mets là. On sort le clone du clone. On va laisser le discours se faire. My head's empty. I remember nothing. Just a corridor, and then I think I wanted to die. Damn. Styx didn't even bother giving me more than that. Just the wish to die. Shit. I don't know why I wanted to die. I don't want to die. Yeah. 1 hour. Talk about life is short. Who are you? Why do you look like me? I don't look like you. I'm not you. Je voulais vérifier un truc. Ils ont animé les lèvres de Rakash. Donc on va appeler par son nom, hein, c'est Rakash. Pendant qu'il parle, c'est cool. Die, goddammit! Alors du coup, ça c'est fait. Donc on va pas faire le con. Ok. Donc, j'ai réussi à passer pendant le laps de temps avant qu'il se retourne. Bon, normalement, je pense pas qu'il puisse me voir, mais on sait jamais. Voilà. Allez, on va prendre cette partie-là. That vision. I saw what he was thinking. Because Styx was so close, perhaps. Did he sense that I was there? Ah, it's driving me crazy not knowing. I gotta catch up with him. Bon, faut que je m'occupe de lui maintenant. Ça m'embêterait de gâcher un couteau pour lui. Mais je crois que je vais pas avoir le choix. Hey! Allez. Non, mon couteau!
Oui, non, mais voilà. Je dis, les gardes, ils sont à la fois très cons et super intelligents. Voilà, c'est. Est-ce que ça marche si je fais ça? Puis ils ont des yeux dans le dos aussi, parfois. Ah, c'est pas les gardes de Metal Gear Solid, hein, ça, c'est sûr. Oh oui, bouge le. Oui, parfait. On va essayer de passer comme ça normalement. Voilà. On ne le voit pas. Crazy not knowing. Bon, j'ai réussi, il y a deux lives de ça, à passer un immense orc qui gardait une porte. C'est pas un misérable petit clone qui va m'emmerder quand même. Je l'ai eu. Bon, ça a gâché un couteau pour ça, mais bon. Y'a un qui traîne ici. Non, a priori, non. Allez, on change de zone. Enfin, de secteur. Oui, c'est bien le pouvoir d'invisibilité, mais il faudrait encore que j'ai l'ambre nécessaire. En parlant d'ambre. I'm not far from the way out. Styx neither. Is he going to the same place as me? Does he know where I'm going? Damn, can you hear me think, you asshole? Bah, si t'étais plus intelligent, tu te connaîtrais la réponse. Tu es une création de Styx. Il te donnait des ordres par la pensée. Donc évidemment qu'il t'entend penser. Enfin, je sais pas, mais... Ah oui, faut que je reprenne l'ascenseur. Ouh, c'est pas la partie la plus simple. Mon Dieu. Ah non, pas cette partie. J'en garde un très 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 mauvais souvenir. Alors déjà, vu qu'on a changé de zone, celle-ci, voilà. Ah mais vous êtes deux! Ah ouais, non, mais je voulais faire un assassinat aérien, mais non, parce que si vous êtes deux, ça va pas le faire. Non, 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 si vous êtes deux, ça va pas le faire. Si je pourrais... Ça me démange d'éteindre le feu. Enfin, la torche qui est à côté d'eux avec la sable, ça va les trigger tout de suite. Bon, alors l'ascenseur, il est par là-bas. C'est bien. Mais entre les deux arbalétriers qui sont là, plus les deux gardes qui font leur ronde, plus potentiellement, voilà un autre qui était derrière, qui est encore un arbalétrier. Plus un autre arbalétrier là-bas, plus deux autres gardes au bout. Ouais, ça avait un peu trop gardé le lieu, les gars, quand même. Mais un peu trop. D'accord. Oh shit, how is this one?
Non, ça les fait pas bouger. Ça les fait pas bouger. De quoi en coop? Non, c'est vraiment pas mon style de jeu pour le coup, R6. Resident Evil, c'est vraiment pas pour moi, ça. J'avais pas vu le message au-dessus, en fait. bon. Maintenant que j'ai fait le con. Oui, j'assume. J'ai essayé un truc. Ok, donc lui il remonte. Quoique, pourquoi tu restes en bas les escaliers? D'accord. Ah, j'ai tué un inquisiteur, tiens. Ouais, une feuille d'acide à son... à sa ceinture, mais bon, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à chourer. J'ai tenté un truc totalement random, hein. Je sais pas si c'est la run qui va être concluante ou pas, mais... les chaises qu'elle me gêne. Du coup, maintenant que ça c'est fait. Je vois pas les gardes. L'ascenseur est loin. Ça sert à rien de la prendre parce qu'il faudrait toutes les prendre pour avoir un truc, mais bon. Je prends celle que je trouve, on sait jamais. Du coup j'ai plus rien, j'ai plus d'armes, j'ai vu les deux fioles d'armes dans la foulée pour rester invisible. Ok, toi tu te casses.
Je vais forcément me faire choper là. Non, c'est foutu. Ah, quoique, il tourne. Là, c'est mort. Comment que je passe? Comment je passe? Non! J'étais pas censé faire ça. Je suis devant eux, mais ils me voient pas, c'est génial. Accroche-toi, oui, bien. Bon, j'ai obtenu un succès dans la foulée. Parfois les strats YOLO fonctionnent. Bon, j'ai plus d'armes, mais j'ai encore de quoi être invisible. Il y a un garde là, il y en a a priori pas de l'autre côté. Il bouge pas lui? Pourquoi faut-il qu'il bouge au moment où je passe quoi? Bon. Là, si. Je me souviens de cette zone. Je me souviens de cette zone. J'avais galéré à l'aller, j'avais galéré au retour. Ah, deux couteaux de lancer. Non, regardez. Il y en a un juste derrière. Donc on va pas passer par là. Ils sont que deux. Ouais, mais c'est deux arbalétriers, donc... Ah mais ce jeu, c'est la loi de Murphy. On remarque techniquement,
dans cette pièce, je suis en sécurité. Pour ramasser. Ah, il y a une pièce là, d'accord, j'avais pas vu. Bon. Je peux me rendre invisible. J'ai assez d'ambre pour ça. Mais le tout serait de savoir où je rush. Enfin, si on fait bien le chemin inverse, je sais où il faut que je rush. C'est au-dessus. C'est le petit trou là. Donc. Ok. Tout ça, je me souviens. En fait, je sais pourquoi on nous file deux fioles d'ambre. C'est pour pouvoir rusher l'invisibilité à la fin. Ouais, non, ouais. Je vais faire plein de sauvegardes, là, je suis désolé. J'ai l'impression que je suis un trouillard, mais... Je veux pas rater mes coups. J'aimerais au moins finir cette mission avant la fin du stream, qui est dans 10 minutes. Hop. That revolting creature again. Ok, je vois où je suis. Y a rien du tout, t'as rien vu. Shit, got to get back on patrol. I can't wait till they change guard. Dis-moi qu'il y a personne en dessous. Ok. Oh, il y a un clone. Tous les clones détestent Six. C'est hallucinant comment ils le détestent tous. Another duplicate. Fuck me, I'll never get used to this. It's like watching myself die. What do you expect? He can't get used to it either. Seeing our mugs. That's why he kills us afterwards. Not me. I'm not a copy. I've been living my own life in this tower for days. I don't need nobody. I know what I'm doing. You sure? How do you know? That you're not still obeying him without knowing it. I know. I have a plan. I don't obey anyone. Me too. I had a plan. Get out of here. While it was time. But you know, Styx will leave no duplicate alive. Yeah, that's what I'd do in this place. Besides, what I do with my own duplicates. No time to get attached to them. They're here to serve me and that's all. You know how to create your own duplicates? Amazing. You may be different after all. He'll survive a few days longer. I can't wait till they change guards. But don't kid yourself. Sooner or later, you'll die face down in the shit. Somewhere in one of these tunnels.
You can't beat Styx. He's stronger than all of us. They say that hate multiplies your strength. So believe me, I'm stronger than shit. Oh, he's dead. Well, you see? Le... Oh, il est mort à la fin, quoi. Oh. Par contre, on en apprend quand même beaucoup plus, c'est que Styx est vraiment prêt à tout, mais que en créant ce double pour le sauver, à savoir nous, il a peut-être commis une erreur. Parce qu'on est quand même vachement différents de tous les autres doubles. Non. Alors, attends que là, hop. La mini cinématique pour éteindre les flammes s'éteigne, s'arrête. Hop. Là par contre, je peux plus me rendre invisible. Donc il faut y aller au talent. Dis-moi que pas qu'il y a un garde. Hop. D'accord. Retournons à la planque. Je veux bien, mais... Je veux bien retourner à la planque, mais... Faut que je descende comme ça ? Oh mon dieu, oh je... Oh non, oh une phase de plateforme. Oh une phase de plateforme dans Styx, j'en ai déjà fait une. Oh, faire de la... Je vais reprendre le JDG, faire de la plateforme quand un jeu n'est pas fait pour de la plateforme, c'est de la merde. Ah. Hop. Ça passe. Mission terminée. On a fait toutes les missions secondaires sauf la relique, mais les reliques je les fais pas parce que je sais pas où c'est, j'ai pas forcément envie de me... tout ce qui est annexe, dire la relique, les emblèmes, je ferai ça hors live quand j'aurai fini le jeu. Vraiment en let's play, je fais vraiment l'histoire. Je fais le maximum d'objectifs secondaires que je peux. Pour l'instant, je les ai tous réussis. Du coup, cadavre découvert 1, c'est con. Parce que j'aurais pu faire un perfect. Il m'a assassiné 8 et j'ai déclenché une seule alerte. Ce qui est bête, parce que du coup j'aurais pu avoir l'emblème ombre. Et j'ai 4 jetons sur 30, mais c'est pas grave. Et du coup, succès pour terminer la mission 4. J'ai peur là. Nous on est à la planque, mais Styx est parti où? Je suis où là? C'est la planque ça? Ah oui, je suis sous la planque en fait, d'accord. Ok. Ou alors ça c'est stupide. Se cacher alors qu'on est chez nous. Mais bon. Enfin chez nous. Bon là j'ai pas besoin de y aller accroupi hein. Du coup. La question que je me pose. Est-ce que Oscan est encore en vie? Ce salaud on va dire ce qui est. C'est lui qui m'envoie libérer Styx. Lui, il devait savoir que je n'étais pas Styx. Bien qu'il s'est foutu de ma gueule depuis le début du jeu lui aussi.
Is that you? I get the impression that your plan succeeded. The ship is flying between the humans and the elves. Huh. You? Wait! I... Spare me the bullshit. I got no time for this. If you don't answer my questions, I'll slit your throat right now. Why does Styx want to steal the heart of the tree? I don't know. He never told me a thing. He just paid me a fortune to direct you and to keep an eye on you. But I never had anything against you. You've got to admit, it were never personal. And yet you let me get into the prisons. And given your surprise earlier on, you knew it was a trap I couldn't get out of. And you even asked me some favors, you fucking shit. That mud that you're using as blood is gonna be spilt. You can thank your lucky stars I'm in a hurry. Otherwise, I'd have enjoyed taking my time. I beg you, don't kill me. I'm just a blind old man. Tu croyais quand même pas que j'allais te laisser en vie. Si c'est pas Styx qui te tue, c'est moi qui te tue. Saleté. On a chouré tout ce qu'on peut. Alors, les compétences. Et on va finir là-dessus. Du coup, ça, c'est peut être cool. La vision d'ombre est déjà full. Assassinat. Hop. J'ai pas un truc qui me coûterait 40. Voilà. Du coup, je suis furtivité 3 sur 4, agilité 2 sur 4, clonage, bon. Les règles, les clones, j'ai pas augmenté les clones, ça aurait, ça aurait dû être un truc à faire. Donc, rappel pour ceux qui... Un petit info pour ceux qui voudraient jouer au jeu. Pensez augmenter les clones, je l'ai pas fait, mais ça peut être vachement utile. Je pense que ça m'aurait bien aidé dans des passages. Mais j'ai déjà la vision d'ambre full et l'assassinat full. Et ça, je sais pas comment le déverrouiller. Du coup, Oscan, il est mort. Parce qu'il est hors de question de le laisser en vie. Et comme pour sortir de notre petit coin, c'est ça, mais ça quitte, ça fait commencer la mission. On fera ça la prochaine fois. Du coup, c'était Spyrage pour Let's Play France. La suite, c'est peut-être, je dis bien peut-être, quelque chose demain. En ninja, sinon la semaine prochaine pour les streams de prévu, donc sur moi la semaine prochaine 19h-21h, peut-être MTA samedi prochain, je ne connais pas encore ses horaires, mais ça m'étonnerait pas qu'il stream le samedi prochain. Drakane va mettre plein de créneaux aussi, Yotol aura un stream à rattraper. Bref, de beaux streams en préparation. Du coup, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la suite. Salut.